c'est la troisième édition du défi ski 12 heures le camp. Alors, comme vous avez pu vous en rendre compte, c'est qu'il y a beaucoup de monde sur place. Alors, c'est une troisième édition assez exceptionnelle, je dirais. Ah, c'est vraiment cool. Écoute, c'est un super de beau temps. Les gens sont super heureux. Une participation incroyable, là, 137 équipes jusqu'à maintenant. C'est plus qu'espéré, donc vraiment, vraiment super belle organisation. C'est magnifique, le ciel est bleu, le soleil est là, les gens sont de bonne humeur. C'est parfait, parfait. Nous, on est des jeunes, on a la chance d'être en santé. C'est pas cette chance-là qui est donnée à tout le monde. Moi, j'aime ça, le snow, fait que je m'implique là-dedans puis je suis super contente de le faire. C'est une journée magnifique, température et une très belle organisation. C'est super. Numéro 1, c'est la première fois qu'on participe, puis je pense que si on aime ça, là, l'année prochaine, on aimerait s'en revenir. C'est très, très bien organisé. Bien, moi, je suis ici pour encourager toutes les familles, en fait, qui ont des enfants malades, parce que j'ai un enfant en santé, donc pour moi, c'est super important d'apprécier ça, puis c'est un geste qui est de cœur, parce que je trouve qu'on est chanceux d'avoir la santé, puis on prend ça pour acquis, donc je suis ici pour ça. Parce que je trouve que c'est une belle cause à encourager. Puis je suis avec mon amie Audrey, puis d'autres amis aussi qui sont à l'intérieur. Puis c'est une belle cause à supporter. Entre autres, mon amie Audrey qui a dû convaincre un cancer. Fait que c'est vraiment important pour moi. Je suis dans le domaine de la santé, donc on en côtoie beaucoup des jeunes enfants. Puis je trouve que c'est une cause importante, puis que c'est important de s'arrêter. Puis quelle famille n'est pas touchée par ce phénomène qui est très important maintenant. Plus que fier. Je dirais que toute la semaine, je me disais, même le mot merci, je trouvais qu'elle ne faisait pas le poids versus le nombre de participants qu'on avait, les collègues de dons qui se sont faits. On a annoncé tantôt des équipes, 7000, 4000, 5000, 3500. Alors, ce matin, je me disais, puis je l'ai dit en ouverture, j'essayais de trouver un mot qui était plus fort que merci, mais il n'y en a pas. Je suis très fier d'être un Saguenayen de souche. Et comme à l'habitude, j'ai toujours dit que les populations du Saguenay-Lac-Saint-Jean étaient toujours derrière nous. Et encore aujourd'hui, ils ont su se mobiliser pour les enfants atteints de cancer de Lucan.